Bon, je vous dicte le sujet de votre composition de français. Le risque. Qu'est-ce que le risque? Faut-il prendre des risques? Et si oui, pourquoi? Vous avez 2 heures. Le premier qui parle, je prends sa copie et je lui colle 0. Ah, je vous préviens, c'est moi qui corrige. Au travail. Voici les résultats de votre composition de français. Premier logier, 18 sur 20. J'ajouterai, monsieur logier, que votre devoir est génial. Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque, mais vous, vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, monsieur logier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique. Parce que si je n'avais pas tourné la page, monsieur logier avait 0. Au lieu de faire un devoir, il a, avec ce dont il disposait, c'est-à-dire un stylo et une feuille de papier, fait un acte risqué. Les autres ont réfléchi sur le risque. Lui, il a risqué. D'un côté, il y a des réflexions, plus ou moins bonnes, peu importe. Et de l'autre, il y a une action. Action et réflexion. Monsieur logier, vous passez la vitesse au-dessus. Permettez-moi de vous serrer la main. Bon, je vais vous dicter une correction autour de cette idée. En attendant, voici vos copies. Boussignac,